Bonjour, bonjour la team, j'espère vous allez tous et toutes bien. Donc oui, j'ai été un petit peu absente ces derniers jours. En fait, là on est le 14, il me semble. Ouais. On est le 14 juin, le lundi. La semaine dernière, j'étais du matin, j'étais vraiment très 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 fatiguée. Voilà, hein, la raison de mon absence. Et avec la chaleur qui fait, vous savez, moi je travaille dans le froid. Et quand vous sortez et que vous avez une différence de 30 degrés, ben franchement, ça magne quoi. Donc du coup, alors attendez, j'essaye d'enlever l'adresse. Voilà. Donc du coup, j'étais un peu absente. Donc je suis désolée. Voilà, je voulais bien excuser déjà. Voilà, au début. Et là, on se retrouve pour une ouverture de colis de la part de Laetitia S, qui est du 26. Donc je sais ce que c'est. Voilà, donc je suis trop contente, franchement, elle est trop gentille. Je sais pas comment la remercier en fait, tout simplement. Donc dans ce colis, donc je l'ouvre quand même en vidéo avec vous, hein, parce que bon, même si vous avez déjà vu, revu, revu, moi je ne les ai vus qu'en vidéo aussi. Donc là, je suis contente de les avoir en vrai. Je les cherche, vous le savez depuis un moment. Donc si je vous dis ça, vous savez de quoi je vais vous parler. Et franchement, quand elle m'a envoyé le message pour me dire qu'elle m'envoyait ça, j'étais super contente quoi, parce que chez moi, je suis retournée encore samedi et voilà, toujours rien quoi. Comment vous dire que voilà, chez moi, ils n'y sont pas. Je pense qu'ils ne seront jamais. Elle m'a envoyé, hop là, voilà, tous les nouveaux blocs en fait de chez Action, les derniers blocs. Donc franchement, je te remercie énormément, Laetitia. C'est juste un truc de fou. Je suis vraiment super contente. Et à l'intérieur, j'ai un petit ATC. Oh, il est trop beau. Alors, à l'intérieur, elle m'a mis un petit ATC comme ceci. Alors, franchement, il tue. Elle a embossé, donc il est les couleurs, franchement, craft sur fond noir, comme ça rend super bien. Elle a embossé un petit peu le papier, comme vous pouvez voir. Alors, désolé, j'ai fermé un peu les volets, donc ça fait sombre, hein, parce que là, dès le matin, j'ai amené Lily à l'école, là, il fait déjà 25. Comment vous dire que cet après-midi, hier, on est monté à 39. C'est après que je bosse, donc je vais être au frais, hein. Donc, vous voyez, elle a embossé le papier. On a un petit papillon rose avec deux petites demi-perles roses, une clé et là il y a marqué bonheur précieux. Et elle a été faite le 31/05 et moi je la 7 sur 7. Voilà. Je te remercie beaucoup Laetitia pour ton ATC, il est vraiment super canon. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc voilà, donc elle m'a envoyé tous les nouveaux blocs. Oh, celui-là, il me tardait de le voir. C'est juste un truc de dingue. Ah, je suis, mais vous savez. Alors là, tu peux même pas savoir la joie que tu me fais. Celui-là, c'est pareil, je le voyais, je le voyais. Et moi, chez moi, rien. Hein. Rien de chez rien. C'est un truc de dingue. C'est. Je sais pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas nous les rentrer. Je ne sais pas du tout, du tout. Donc, comment vous dire que voilà, elle m'a vraiment tout pris. Et je te remercie énormément. Vous les avez vus sûrement passer, mais moi non. Donc, on va les regarder ensemble. On va prendre le temps. Donc, on a celui-ci où c'est Celebrate Collection. Je suis très nulle en anglais. Hein. Donc, ça doit être, à mon avis, sur le thème anniversaire. Donc, voilà. Comment ils se présentent. Donc, je vais vous vite fait vous les passer parce que voilà, vous les avez vus sûrement dans les halls. Moi, j'ai pas fait de hall hein, puisque je les ai pas trouvés. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est pour les anniversaires. Donc, c'est top. Les couleurs, franchement, elles sont douces. Elles sont pas criardes. Elles sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. C'est joli, ouais, pour les anniversaires comme ça. C'est vraiment oh, énorme. On a des chiens ballons comme ça là. C'est bien parce que enfin, là, elles étaient douces et là, on a des couleurs un peu plus flashy. Pareil, j'aime bien, moi, pour l'été et tout, là, c'est top. Franchement, ils sont super sympas. Et là, après, on a des petits... enfin, des petits trucs qu'on peut découper comme ça pour justement décorer les cartes ou les albums d'anniversaire selon ce qu'on fait. Donc, et après, on a les papiers en double. Merci, merci, Laetitia. Franchement, tu me refais, là, c'est juste top. Alors, on a celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai. Par contre, il était dans l'ancienne collection. C'est sur le thème du voyage. Voilà. Celui-ci, je l'avais pris.
Il était joli aussi, j'aimais bien. Donc je vous le montre quand même. Après, voilà, c'est sur thème vraiment voyage, les avions. Là, on a une page où on a toutes les. Vous savez, la Statue de la Liberté, tous les monuments, en fait, voilà, des pays. J'ai pas trouvé mes mots ce matin. Là, on a encore des petits avions. Après, on a la. Elle, alors la dernière fois, on m'avait dit, c'était là. Oh, je sais plus. Vous savez, je vous ai dit, c'est une boussole, mais en fait, c'est pas la boussole, c'était la rose des sables ou un truc comme ça, la rose des vents. Je crois que c'est ça, la rose des vents. Là, on a genre une carte routière. Celle-là, j'adore parce qu'on dirait vraiment du sable, quoi. On se croirait vraiment sur le sable. C'est juste génial. Après, pareil, on a des petites étiquettes à découper comme ça. Voilà. Après ça, j'adore. Ça fait vraiment très américain, très road trip et tout ça. Franchement, en fait, je sais que je l'avais pris pour ça, en fait, à la base, ce bloc-là. Même là, après, on a des plaques américaines, etc. Franchement, c'est super chouette. Et là, pareil, on a des genres de petits tickets de métro, des tickets. Et après, on retourne dans les mêmes. C'est juste top, top, top. Merci, merci. Alors, je passe vite fait celui-là parce que je ne connais pas. Alors, lui, il me tardait de le voir. Vintage Collection. Comme ceci. Alors, j'ai vu que ben, déjà, il y a marqué Vintage. Après, il y avait des fleurs. Donc, je pense qu'il est vachement. Enfin, je pense qu'il. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, genre shabby, etc. Ah ouais, voilà, ben c'est. Oh lolo. Oh, c'est magnifique, j'adore. Alors là, ouais, vous voyez, les deux papiers, déjà rien que ça, ensemble, c'est. Ouais, d'accord. Ah oui. Je comprends. Et je sais pourquoi j'ai cherché maintenant. Ah, franchement, il est trop beau celui-là. Oh là là. Là, on a des roses comme ça, là, en fond. Après, là, on a un papier rose rayé. Celui-là, on l'a dans les textures. Ils avaient mis un papier comme ça. Dans les textures. Oh. Celui-là est juste trop beau aussi. Franchement. J'espère que vous voyez bien. Après, ça se trouve, vous les avez trouvés chez vous hein, aussi. Oh, celui-là aussi, il est trop beau. Il fait plus shabby, je trouve, que vintage. Il est magnifique. J'adore. Franchement. Laetitia, là tu me refais franchement. Ah là on a vraiment des toutes toutes petites. Alors là c'est des mini étiquettes hein, pour le coup là. Tac tac tac. Ils ont fait une page en petite étiquette comme ça. Une page avec des grosses comme ceci. Ah ouais bon là après il faut choisir quoi. Soit vous prenez les grosses, soit vous les prenez les petites. Et après ben, on retombe sur les autres pages comme ceci. Donc elles sont en double. Il est magnifique celui-là, franchement, je kiffe. Il est trop beau. Merci, merci, merci. Je suis trop contente. Alors, après, on a Play Collection. Donc, je n'arriverai pas à vous dire le nom. Donc, ça, je vois pas qu'est-ce que ça peut être comme thème, en fait. Ça a l'air d'être un peu de la texture, etc. Ouais, un peu baroque, un peu tout ça, ouais, c'est ça. Vous voyez? Rouge brique. Ça fait un petit peu oriental, on dirait, un peu. Là aussi, ça on dirait de la terre. Oh, le mur de briques, là, il est vraiment super beau pour faire un fond. On dirait que c'est vieilli, là, la page, elle est super sympa aussi, j'aime beaucoup. Ça change. Ouais, ça fait un peu oriental. On dirait un tapis. Oui, rien. Mais apparemment, ils en ont re-rentré d'autres. Hein. Il y a des gens, ils n'arrêtent pas d'avoir des nouveautés chez eux. Je pense que nous, notre ville, ils nous ont oubliés, quoi. Je fais un tour en os, j'ai rien trouvé. Enfin, vraiment, c'est. Vous voyez, papier. C'est un peu chargé, ça. Faut vraiment, là, il faut. Je trouverai quelque chose à faire, c'est sûr, avec. Celui-là, bois, il est vraiment. Ça fait vraiment bois, quoi. Il est chouette. Hein. Ça, j'aime bien. Ça fait un peu comme un mur. Alors, celui-là, par contre, on n'a pas de petite étiquette, etc. à couper dedans. Et sympa aussi, celui-là. C'est pas un de mes préférés, mais il est vraiment sympa aussi. Ça change.
Franchement, pour le coup, ça change. Il est chouette aussi, j'aime bien. Merci beaucoup. Là, on a Eclectic Collection. Alors, oula. Ça, à mon avis, c'est plus thème tropical, etc. Donc là, on a des palmiers comme ça sur fond un petit peu rouge bordeaux. Ensuite, on a avec des petits pois. Ça, de toute façon, c'est du basique, mais on se sert tout le temps. Là, la couleur, franchement, elle est trop belle. C'est comme des fleurs tropicales. Bon, moi, j'y connais rien en fleurs. Quoique ça, on dirait des. Comment ça s'appelle? Mais il faut vraiment les tenir là. Ça, c'est des orchidées, je crois. On dirait des orchidées. Mais le noir avec ce violet là et le vert comme ça, franchement, ça. Enfin, la couleur, elle est vraiment chouette. Waouh, pareil, celui-là, là, le bleu comme ça. J'aime beaucoup. On a des petites fleurs. Là aussi, on a des petits palmiers sur un fond gris. Ah, c'est plus thème tropical celui-là. Là aussi, elle est sympa. À petits pois, c'est pareil, ça sert toujours. Celle-ci avec les perroquets, franchement, elle est super jolie aussi. Là, on a du vert. On a des petites fleurs. Franchement, il est joli celui-là parce que ben voilà, pareil. Vous voyez ça, on peut marier avec du clair et du un peu plus foncé. Franchement, il est chouette aussi celui-là. J'aime bien. Ah, c'est original comme ça. Là, après, on a des petites cartes à découper avec l'huile. Ça, c'est un, je sais plus comment s'appelle cet oiseau-là. Trop marrant. Donc, ah ouais, mais là, on a de tout en fait. Alors, on a des petites cartes, mais alors après, le problème, c'est que derrière, on a ça. Voilà. Et après, on a des petites, pareil, des petits dessins à découper pour décorer. Ah, après, on a ça. Voilà, on a de quoi faire pour la déco. Et après, on revient avec les doubles. Ben, merci, il est super sympa aussi celui-là. Franchement, au top. C'est génial. Alors le fameux que je vois tout le monde le chercher en double, en triple, en quadruple celui-là. J'ai vu plein d'albums passer sur ce thème-là avec la petite fille. Il a l'air de. Franchement, il a l'air d'être super beau. Après, c'est noir et blanc. Moi, j'aime bien aussi noir et blanc. C'est un peu plus dur à travailler, mais voilà. Donc après, on a des papiers, donc basique en blanc. Là, c'est des feuilles de. Des fleurs de pissenlit où on souffle dessus. Des feuilles noires et blanches, hein, basiques. Après, ils en ont fait aussi des noirs et blancs. Je vous avais montré là les derniers avec des animaux, etc. Ils étaient super sympas aussi. Là, ça fait comme des petits cadres. Super jolie cette page aussi. Donc là, on a des pois comme ça et des pois comme ça. Là, c'est des petites fleurs un peu plus travaillées. Là, c'est des rayures. Là, on a des petites fleurs aussi. Ouais, mais vous voyez, tout le monde le cherchait à fond, celui-là. Mais voilà, les petites étiquettes, franchement, sont super jolies. Avec les petites filles, là, franchement, c'est super beau. Mais après, par rapport. Après, moi, je donne mon avis. Hein, je l'aime. Il est beau. Mais par rapport à ceux qu'on a eu avant, franchement, avant, il y avait peut-être plus de dessins en noir et blanc. Que là, vraiment, c'est au pire que les petites filles qu'on a en petits carrés comme ça qui peuvent faire la différence quoi, mais sinon ouais voilà c'est ça hein. Juste les petits portraits comme ça qui ouais, voilà c'est surtout ces pages là quoi, mais par contre ça, elles sont super belles et les petites filles là sont vraiment super canon, mais mis à part ces pages où il y a les petites filles, après franchement les derniers qu'ils avaient fait en noir et blanc ben avec les fleurs et tout ça, là, franchement, il est déboîté. Mais il est très beau aussi. Mais après, voilà, les pages sont vraiment beaucoup plus simples que ce qu'ils ont pu nous faire avant, quoi. Et bien, il est joli aussi. Mais je comprenais pas pourquoi, voilà. Donc, en fait, vraiment, à part pour les pages où il y a la petite fille, sinon, ça reste un noir et blanc classique, quoi. Mais il est vraiment très beau aussi. Faire un album. Les albums en noir et blanc, moi j'aime bien, ça fait tout de suite classe. Même les cartes, hein, vous faites en noir et blanc, etc. C'est vraiment tout de suite. Alors là, on a Beachy Collection. Donc là, je pense que c'est la plage. Allez, partons en vacances. Vraiment vivement.
Enfin, je vais peut-être pas partir, mais vivant les vacances déjà. Alors là, on a une page bleue. Ah. Des petits citrons. Waouh. Là, ça m'a flashé. Mais stop. Alors là, vous mélangez ça et ça. Ensuite. Donc là, on a une. Un peu comme un drap de plage ou un truc comme ça, là. Ou des espadrilles, là, vous savez. Ça me fait penser à ça. On a des petites fleurs comme ça. Il est beau celui-là aussi. Là. Moi j'adore, il est frais, il est. Moi j'adore les. Enfin ça, je kiffe aussi, franchement. Ils sont tous beaux, ils ont tous leurs petits trucs. Bon, j'ai une préférence pour le vintage là, mais là après c'est pareil, là ils ont fait des images, ça fait un petit peu vieille photo et tout, et franchement il est super beau. Donc là pareil, on a des toutes petites étiquettes à découper. Là, vraiment toutes petites, ils ont fait. Après on a les bleus. Là, on a des vagues. Là, on a carrément une scène avec le sable, la plage, etc. Là, pareil. Là, j'ai pas envie d'aller bosser, moi, après, quand je vois ça. Hein. Franchement, ça me donne pas envie d'aller au boulot. Là, on a des genres de petits. C'est pas des roseaux, mais avec la plage, là, comme ça. Comme il y a en Camargue. En Camargue, il y en a beaucoup, les plages. J'y on. C'est comme si c'était chez moi, quoi, mais c'est. Presque pareil. Beaucoup des plages comme ça, puis avec, vous savez, les. Ça là. Franchement, il est super sympa aussi celui-ci. Par contre, au niveau des étiquettes, on n'a pas tous les mêmes dessins, quoi. Enfin, les. Là, il y en a des petits, là-bas, il y en a des gros. Franchement, il est frais celui-ci, et ouais, j'aime beaucoup aussi. Franchement, il est super beau. Mais maintenant, voilà, pour aller au boulot, après avoir vu ça, on n'a pas envie. On préférerait être sur la plage. Donc voilà, elle m'a vraiment pris tous les nouveaux blocs. Donc franchement, Laetitia, je te dis un grand, grand merci parce que je les cherche. Moi, ils y sont vraiment pas chez moi. C'est une catastrophe. Peut-être qu'un jour, ils arriveront quand vous recevrez les nouveautés, quoi. Hein. Peut-être à Noël, on les aura, j'en sais rien. Non, je sais pas ce qu'ils font en action en ce moment. Mais bon, en ce moment, moi, j'ai vraiment rien, rien. De nouveau, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, Laetitia, je voulais te dire un grand, grand merci. Bah, du coup, bah, voilà, ça va me donner un petit peu plus de punch pour refaire, bah, pas pour refaire, mais plus d'idées. La dernière fois, je vous disais que j'avais pas trop d'idées, que mes blocs, à force de les voir, etc. Donc là, le fait d'avoir des nouveaux aussi, bah, du coup, ça donne un peu plus envie et voilà, ça donne un peu plus d'idées. Voilà. Bon, ben sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, protégez-vous, restez au frais. Hein, parce que là, bon, après, à partir de jeudi, je crois, ça orage, on va baisser en température. Mais restez au frais. Moi, ben, je vous dis à plus tard. Et je vous fais des gros bisous. Et encore un grand, grand merci à toi, Laetitia. Bisous, bisous.